Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas, MMOXP, vous avez 5% avec le code ZOO, le lien est dans la description. Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va nickel, aujourd'hui nouvelle saison par rapport à l'Euro 2024, parce que oui, il y a du coup l'Euro 2024 et aussi la Copa América cette année sur FC24, donc du coup voilà, il y a des palais, il y a 7 pages les gars au final. Et on va voir un peu ce qu'il y a à récupérer, à vous du coup conseiller un peu quels sont les meilleurs choix à faire. Parce que parfois, comme au niveau 1, niveau 4, vous avez des choix à faire, ok. En espérant que la vidéo vous plaire, et à la fin, je vous montrerai une petite astuce pour gagner des packs sur FC24. C'est pas un truc de fou, mais c'est toujours bien de le savoir, ok. Donc je vais vous le montrer. On est parti directement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire. Et on est parti, let's go. Du coup, premier niveau, vous avez les gars, voilà, deux joueurs, une défense centrale de la Bolivie et un pack élément 83+. Donc voilà les gars, je vous conseille de prendre quand même le joueur, même si c'est pas foufou. Un pack x5, sélection qualifiée Copa América, ok. Donc c'est sûrement ça les gars, donc voilà, ça c'est pas les cartes spéciales, mais ça sera du coup... Peut-être que ce sera des cartes en prix, je sais pas les gars, honnêtement je sais pas du tout, je sais pas si c'est les cartes, vous savez, apparemment il va y avoir des cartes comme à la Coupe du Monde, vous savez les gars, les cartes rouges à la Coupe du Monde, il y en a plein dans le club, et ben apparemment il devrait y avoir ça, de ce que j'ai vu, après voilà, moi je pense que ça sera du coup des régulars à mon avis, on verra bien, un Chifo pour l'Euro, vous avez Rasiu, le défenseur droit du Vallecano roumain, ou alors vous avez un pack élément 82 plus x2, donc prenez le joueur les gars, prenez toujours les joueurs, ça arrive les 82 x2. Un pack 5 meilleures sélections Euro 80+. Donc comment il différencie les 5 meilleurs, ça je sais pas les gars, honnêtement. Moi les 5 meilleurs dans ma tête pour l'Euro c'est France, Angleterre, Portugal, Pays-Bas et allez après c'est Allemagne pour moi je pense. Mais après comment eux ils choisissent, ça je sais pas du tout les gars. Mais en tout cas voilà, vous avez un pack. Là vous avez Carrasquilla, MC du Panama, ou alors un 82 plus x2 les gars, prenez le MC. Vous avez un Thémestade Euro 2024, vous avez Tsigankov les gars, ok. Ou alors 83 plus x3, prenez Tsigankov encore une fois. Prenez tous les joueurs les gars, ils sont toujours bons à prendre. Les stats honnêtement les gars, on s'en fout un peu, ok, c'est pas des joueurs de fou, vous avez largement mieux dans votre club. Ce truc qui est bien c'est qu'ils soient évolutifs, mais bon, on n'est pas sur les meilleures nations. C'est à la fin les gars, c'est intéressant, là ça a rien de regarder. Un Chifo UEFA Euro 2024, on a Vicario, le gardien italien de Tottenham. Ou alors un 83x5, donc prenez encore une fois Vicario, parce que ça arrête de se retrouver avec 5,83 dans le pack. Là, vous avez du coup un Écusson de l'Euro 2024, vous avez un pack 5 éléments, sélection qualifiée Copa América 83+, vous avez Tapia, les gars, le MDC péruvien du Celta Vigo, ou alors un 83x5, encore une fois, prenez Tapia. Là, vous avez pareil, mais c'est un pack 5 éléments, sélection Euro et pas Copa América, 83+, cette fois-ci, c'est bien. Là, les gars, vous avez le chouchou, l'Albanais, les gars, défenseur gauche, Isai, l'Albanais de la Lazio, ok, donc la Lazio, ou un pack 81+ x11, les gars, prenez l'Albanais, les gars, faites-moi plaisir, prenez-le. Qu'est-ce qu'il est beau, les gars, qu'est-ce qu'il est beau. Donc, ouais, il faut le, moi, je vais le prendre direct, ok. Là, vous avez du coup, juste on va regarder les stats, les gars, ça m'intéresse quand même. Oh, 3 de mauvais pieds. Aïe. Un peu les gars, en vrai, c'est normal quoi. Normal Euro 2004 Tifo animé, ça c'est cool. Vous avez Brozovic, les gars, donc c'est assez intéressant. Donc 80+ x11, prenez Brozovic encore une fois. Là, c'est aussi intéressant quand même. De très bon playstyle, double 4, ouais, il est pas dégueu, les gars. Franchement, il est pas dégueu. Là, vous avez un maillot de la Pologne ou du Mexique, ok. Là, vous avez Tcherny. Donc le latéral gauche de la Real Sociedad, très bon les gars, il est petit taille, 1m18, mais bon c'est bien. Très bon les gars, il n'y a aucun souci avec 3 playstyles du coup. Ouais, lutte plus, rapide plus et longue touche, ok. Là vous avez la sélection de Cole Palmer, il me semble les gars, froid, c'est vrai qu'elle devait y être, parce que c'était cette année ou l'année prochaine, je sais pas, mais sûrement celle de Cole Palmer. Vous avez Balogun, le buteur de Monaco, ou alors un 84x5, donc prenez Balogun encore une fois 93 les gars, sachant que c'est des cartes. Ils peuvent tous évoluer. Les évolutions, comment ça marche? En gros, c'est le pays du joueur. En gros, les États-Unis remportent un match, il prendra un plus 1. Si le pays du joueur remporte 3 matchs, il prendra un plus 1, un style de jeu plus. Donc, il prendra un playstyle plus, les gars. Donc, ce sera des cartes à 4 playstyle. 3 matchs, quand même. Le pays du joueur remporte les quarts de finale, un plus 1 encore une fois. Donc, il peut potentiellement monter à 95. Le pays du joueur remporte les demi-finales, soit il passe à double 5. Ok?
Ou soit ben, il prend un plus 1, donc il peut monter à 96. Et si le pays du joueur remporte la finale, donc c'est l'Euro, eh ben, il montera à 97, les gars, ça sera une carte, mais phénoménale, vraiment. Donc voilà. Playstyle, tir en finesse, rapide plus et contrôle. Ok. Là, vous avez du deck, un gardien, les gars, qui est très bon cette année. Vraiment, les gars, je vous jure que cette année, du deck, il est vraiment bon. Après, il est un peu petit de taille, mais moi, je l'ai vraiment bien aimé cette année, surtout au début de l'année. Hein. Donc, du coup, voilà, vous avez 84 x 5, du coup, prenez du deck. Vous aurez jamais 94 dedans, à part si vraiment le taux de drop, il est beau. 85 x 2, du coup, ici. Là, on a Jiménez, le buteur du Feyenoord, les gars, qui a fait une très belle saison. Donc du coup, soit ça ou soit 85 x 3. Voilà, double 4, les gars, 5 crachements, il n'a pas le 5 après. Pourquoi c'est écrit en anglais pour lui, je comprends pas. Ok, ouais, les gars, franchement. Prenez la carte, en vrai, prenez la carte, les gars. Là, vous avez Klose ou 84 x 10, les gars. Klose aussi, hier, il a même but de fou en plus. Double 4. Ouais, les gars. Prenez Klose de fou. Alexis Sanchez, ouais, c'est beau, les gars, ça. Alexis Sanchez. Double 5, élevé, élevé, 1m69, BU avant-centre, Inter, Serie A. Et voilà les gars, la vitesse, les dribbles, manque de réactivité un peu, mais ça c'est pas méchant. Double 5 en plus. Hein. Très belle carte les gars. Très belle carte, il peut monter à 80, 98, 99. Non, je suis malade, de 96, c'est 97 les gars, excusez-moi. 98, je suis baisé. Il peut monter à 97, donc c'est quand même pas mal du tout. Et c'est playstyle, c'est quoi du coup? Tir en finesse, intuition et la fusée là. Ok. C'est pas le meilleur. Hein. Là, vous avez un 85 x 5 Copa América. 85 x 3 meilleure sélection. Euro. Là, vous avez Bernardo Silva, les gars, 94. Le Portugal peut aller très loin. Hein. 4 GT, 5 mauvais pieds. Le B et le V. Il peut jouer MDA, D, MC, MOC. Il est Gullit Gang, les gars. Avec une moitié de 90 plus de partout. Il a une carte de porc, les gars. Il a vraiment une très très belle carte. 86 défense, c'est choquant. Les gars, franchement, ouais, magnifique. 83 x 20. Ici, niveau 30. Et niveau 30, vous avez Rafinha, les gars. Qu'est-ce qu'elle est belle, la carte. Oh là là. 4 et 5, élevé, élevé. Ah, ils abusent un peu, il était tots. Franchement, c'est un peu des conneries, quoi, les gars. Il était tots, donc. Excusez-moi, les gars, si mon œil, là, le pollen me démonte. Les gars, il était tots, alors. C'est un peu débile, franchement. Mais bon, la carte est incroyable. Juste les playstyles, on n'a pas vu. Ouais, tir puissant, technique plus, il faut les rapides, ok. 84 x 20, donc ça c'est cool. Memphis Depay, les gars, ça c'est beau aussi. Memphis Depay, c'est vraiment beau. 5 de GT, 4 mauvais pieds, 1m76. Il peut jouer attaquant gauche, la vitesse, la frappe, les passes, les dribbles, tout qui est bon. Le physique aussi, il est incroyable. Il peut monter à 97 facile, les gars, je trouve à 97 facile. Même voir 98 s'il prend pas le double non 80 ouais 98 voir s'il prend pas le double 5 ok et un type de jeu la tire en finesse contrôle plus extérieur du pied ok et ils peuvent prendre des playstyle en plus les gars là nous avons la carte de Toni Kroos les gars magnifique Toni Kroos les gars c'est la première carte à avoir 4 playstyle plus moyen élevé double 4 1m83 des cartes les gars des cartes de baiser là. Il a une carte de porc, il a 90 minimum de partout. Coup de pied arrêté, passe longue, interception et la pile. Ouais, les gars, franchement, c'est incroyable. Et là, vous avez du coup, ou alors vous avez quoi? Vous avez. Ah, ok, vous avez Girard aussi. D'accord, vous avez Girard. Ouais, les gars. Franchement, prenez Kroos, les gars, non, en vrai, je sais pas, franchement, les gars, ça vaut de voir. Après, peut-être beaucoup plus intéressant, Girard, sachant que. Ben, quoi qu'il a 3 playstyle. Hein. Il a 3 playstyle les gars, alors que Kroos il en a 4. Après, je crois qu'il peut en avoir un quatrième. Ouais. À voir les gars, franchement, à voir. Faut voir les gars, prenez celui que vous voulez. Franchement, prenez celui que vous voulez. Mais c'est vrai que moi je partirais plutôt sur Kroos. Et là, vous avez soit un 88 x 5 ou soit Puskás. Les gars, prenez Puskás parce que les gars, c'est la vie tout simplement. Les gars, Puskás. Hein. 88 x 5, là c'est bien beau, mais on sera à la fin du jeu. Prenez les meilleurs joueurs et les fraudeurs, vous en aurez. À gogo les gars, ok. Il est né en 1927. Dinguerie les gars, dinguerie. Et la stat, elle, oh, les gars, la carte, elle est. Les stats sont phénoménales, vraiment. Il a 4 playstyle plus en plus. Waouh. Les gars, magnifique. Full rapide, contrôle plus, résiste au pressing et tir en finesse. Magnifique les gars. Donc voilà, franchement, la saison est plutôt belle. Honnêtement, les gars, la saison, elle est vraiment belle même. Ok.
Franchement, j'ai raté. J'étais pas trop hype par l'euro. Mais là, les gars, franchement, c'est vrai que je suis un peu hype. Donc, à voir. Maintenant, juste ce que je voulais vous montrer, les gars, c'est quoi? C'est il y a le mode là. Voilà. Ça a participé, les gars, à l'UEFA Euro 2024. Vous y allez. Donc là, il faut skipper, les gars, parce que bon, c'est un peu long. Mais ça fait toujours plaisir. Ah, il n'y a pas la cérémonie, je l'ai déjà fait. Ok. Les gars, vous allez sur l'aventure européenne. Ok. Voilà. Déjà, vous cliquez sur le premier là. Moi, j'ai déjà récupéré, les gars. Celui-là, regardez, là. J'ai déjà récupéré, en gros, t'as une TOTS en prêt gratuit. Ok? Donc voilà, mais TOTS, je crois, de nation, pas une TOTS, par exemple, un bulgare, quoi, les gars, vous aurez pas de bulgare, ok? J'ai au pif, hein. Là, ensuite, c'est pour Ultimate Team, vous avez milieu équipe de la saison Euro Nation en prêt 10 matchs. Donc, c'est, les gars, c'est une carte en prêt pour 10 matchs, ok? Ça peut être pas mal. Là, c'est pour mode carrière. Donc, vous avez coach 5 étoiles recrutable. Donc, voilà, les gars, il faut aller là. En gros, en disputant chaque match de la compétition. Je vous jure, les gars, comment on fait après. Okay? Là, vous avez du coup. C'est pour le mode pro. Donc, ok, pour Volta, je crois. Là, les gars, voilà, Foot Champions. Vous avez un pack. Foot Champions. UT, les gars, je vois UT. Je passe en Foot Champions. Je suis matrixé. Ultimate Team. Vous avez, les gars, là du coup, un pack en rare 87+, ok? Donc c'est quand même pas mal du tout. Remplir les 7 emplacements de style de jeu pour votre pro créer d'amener votre équipe. Donc je vous montrerai après. Là, c'est on s'en fout, les gars, après ça, voilà. Là, c'est vous avez une carte, un choix icône de base, en prêt pour 24 matchs. Ça, c'est pas fou quand même. Vous devez être élu star du match, d'amener votre pays à jouer avec un vrai joueur, ok? Et là, vous avez un attaquant de la saison Euro. Donc c'est en gros c'est un TOTS, les gars, c'est un TOTS attaquant et qui sera à l'euro en fait. Voilà, donc par exemple vous pouvez avoir Mbappé, vous pouvez avoir des Allemands, des Hollandais, voilà, mais que des attaquants. Là on s'en fout, et là du coup c'est aussi Ultimate Team. Donc voilà les gars, là c'est l'aventure, réussir tous les défis d'aventure en juillet, récompense finale de l'aventure. Là on sait pas les gars, mais faites tout pour avoir un vrai pack à la fin. On verra ce qu'il y a les gars, et la récompense vous l'aurez en juillet. Ok, donc voilà. Donc ici, regardez là, juste ici, en gros, faites débuter la compétition. Okay? Faites un match et c'est carré. Moi, je ne suis pas encore fait de match. Okay. Ici, on s'en fout. Ça, on s'en fout, les gars. Voilà, Ultimate Team, remplir les 7 éléments style de jeu pour votre pro créer d'amener votre pays. Alors, vous allez dans mener votre pays. Okay. Vous commencez la compétition, je ne sais pas, notre compétition. Vous créez un joueur, les gars, okay? Et vous mettez 7 styles de jeu. Je sais pas, pardon, on va faire ça. Hop, continuer. Je sais pas, je prends lui. S'il me ressemble en plus. Et en gros, il y a des styles de jeu. Je sais pas où c'est exactement, les gars. Bref, on va pas chercher pendant 40 ans. Mais dans tous les cas, je pourrais pas l'avoir parce que j'ai pas fait le début. Hop, je mets suivant, les gars. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. Complet. Voilà, et je vais vous montrer. En gros, il va falloir mettre 7 styles de jeu pour avoir le pack. Ok? Hop, ouais, Q. Ok, l'UEFA, là, les gars, c'est l'ombre. Vas-y, les gars, je reviens dès que la cinématique est finie. Voilà, les gars, du coup, c'est ici. Et en fait, c'est écrit en bas, emplacement style de jeu vide, réussissez un exercice d'entraînement pour débloquer et utiliser un style de jeu pour votre pro. Et ça, les gars, vous devez en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Voilà. Et en gros, vous faites des entraînements. C'est ici, je crois, c'est un entraînement, les gars. Et vous allez débloquer des styles de jeu. Voilà, améliorer votre technique, obtenir jusqu'à 7 styles de jeu pour votre joueur. Ok? Donc voilà, tout simplement, les gars, il n'y a pas plus facile que ça. Ok? Du coup, hop, tac, je reviens dans la voiture européenne. Pour les autres packs, c'est comment du coup? Ça c'est bon, non, voilà, juste ici. On en était là. On en était là, ok. Ça, après les gars, vous faites ça et vous aurez votre 87+, hein, sur Ultimate Team directement. Être élu star du match, d'amener votre pays, les gars. Vous jouez, vous êtes homme du match, les gars, vous gagnez un choix icône de base. Remporter une demi-finale en coup d'envoi à n'importe quel niveau, en de difficulté en personne. Vous êtes dans le coup d'envoi euro, les gars, vous mettez n'importe quel, vous mettez débutant et vous gagnez demi-finale. Voilà. Enfin, la demi-finale, il faut la gagner. Okay? Et du coup, ici, ben, les gars, ça sera en juillet. Voilà. À la fin, vous verrez un peu ce que vous avez. Les gars, excusez-moi, toute la vidéo, j'ai gratté mon oeil. Regardez, je suis mort, les gars, je suis mort de grattage, quoi. Donc voilà, les gars, c'est assez simple. La vidéo sert surtout à vous expliquer un peu pour la saison et récupérer quelques packs, les gars. Voilà, je vous montre un peu l'événement, mais on en parlera un peu plus ce soir en live et tout au long de l'événement. Ok, les gars,
Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les frères. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les frérots. Tous les soirs sur FIFA, week-end sur full camp, la semaine c'est détente. Mardi c'est fichu pack, la vie je mets pas un cas. Pas qui conne un SBC, comme d'hab on s'est baisé. T'appuies sur R1, t'enroules avec ça là. De 10 ou 25 mètres, certitude que le but est là. Bandak dans la défense, tu peux quitter d'avance. Golasso, t'appuies d'un joueur, cancer c'est dans le sang. Mardi pas tes sylvains.